Bonjour et bienvenue les collecteurs. Aujourd'hui, on va voir 28 pièces de 2 euros commémoratives différentes. On va commencer avec la première, regardez, hop. Une pièce italienne. On va zoomer un petit peu, histoire de mieux voir. Voilà la pièce de 2 euros Italie. Je sais pas si on voit bien. 2021, vous voyez, grazie, qui avait été mise pour venir en soutien, on dira, au personnel soignant. Pour le Covid. Alors, la première, la deuxième. Pièce allemande. Et puis je croyais que c'était Italie. Est-ce qu'on va zoomer un petit peu ou pas? Alors, une pièce allemande. Une pièce italienne de 2011, célébrant les 150 ans de l'unité italienne. On voit pas super bien, mais il est censé y avoir trois drapeaux. Je l'ai trouvé dans un état passable, mais allez. Quatrième pièce. Une autre pièce italienne, bon, je vous rappelle, hein. J'habite en Corse et l'Italie est pas très loin, donc j'ai beaucoup de pièces italiennes qui datent de 2012 et célébrant Monsieur Pascoli. Cinquième pièce. Une pièce de 2 euros. Allemagne 2021, alors, j'aime bien cette série allemande où des bâtiments sont représentés dessus, elles sont vraiment très jolies. Alors, une pièce de 2 euros italienne, la première des commémoratives, si je me rappelle bien, italienne, qui doit dater de 2004, je crois. Oui, c'est bien ça, 2004, regardez, très jolie pièce. Voilà, qui avait été mise pour le programme humanitaire. Alors, pièce suivante. Je les range assez bien, comme ça on pourra les compter après. Alors, une pièce qui est superbe. Qui date de 2016. Une pièce autrichienne. Les pièces autrichiennes sont très belles aussi. J'en ai très 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 peu. Les Autrichiens ne viennent pas en Corse, je pense. Pièce suivante, bon, une pièce française qui est vraiment regardée, qui commémore la fête de la musique et qui est dans un état vraiment magnifique. Très jolie pièce. En qualité, hein. Après, j'aime pas trop les dessins dessus, mais c'est mon avis personnel. Qui date de 2011. Pièce suivante. Une autre pièce italienne qui commémore Dante Alighieri et qui date de 2015, si je me rappelle bien. Pièce suivante. Une pièce allemande.
toujours pareil, la série des Länder. Celle-ci date de 2020 et est célèbre Brandebourg. Très beau design dessus. Je dois voir la série complète, je pense, des Länder. Alors, une pièce française que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait tous ces petits détails tout autour du symbole euro. Cette pièce date de 2012. Une pièce allemande. Encore, vous allez me dire. Eh oui. Encore une. Pour pas changer. Une autre pièce allemande. Mais c'est pas parti, fait pas partie des séries des Länder. Ça, c'est une autre pièce allemande. Une pièce française. Non, peut-être que je me trompe. Ah non, c'est une pièce allemande. Excuserai, j'ai la caméra juste devant moi et je vois pas du tout tous les détails, on ira. Donc, je vous laisse juger de la provenance de cette pièce. Une autre pièce de 2 euros qui est française. Et aussi, regardez la qualité. Magnifique pièce que j'ai trouvée vraiment ces derniers jours. Qui date de 2008. Et qui est d'une beauté en termes de qualité. Parce qu'après, au niveau du dessin, ils se sont pas foulés la rate. Hein. Une pièce française qui est encore dans une qualité exceptionnelle, qui date de 2017. Regardez cette qualité. Et tous les détails sont magnifiques dessus. Alors, une pièce allemande qui fait partie elle aussi de la série des Länder, qui date de 2011. Bon, dans ma collection, je ne fais pas très attention aux lettres, aux différentes lettres d'atelier. Là, c'est un D, mais je ne fais pas du tout attention. Du moment que moi, je m'occupe juste de la face, on dirait. Alors, une pièce suivante. Ah, une pièce que j'ai mis du temps à trouver, que j'ai trouvée le dernier jour du mois. Une pièce qui date de 2013. Pièce magnifique, pièce italienne, je l'ai pas dit peut-être. Alors, allez, encore une pièce allemande qui date de 2007 et qui est dans une belle qualité, regardez. La pièce suivante. Une pièce des Pays-Bas qui n'est pas très jolie, hein, franchement, mais bon, mettrez en commentaire laquelle vous préférez. Bon, en tout cas, ce sera pas celle-là, c'est sûr. Alors, une autre pièce italienne qui célèbre Verdi, qui date de 2013. Jolie pièce. Pièce suivante. Une autre pièce allemande de 2011. Je me demande si je l'ai pas déjà celle-là. Je me rappelle plus du tout si je l'ai. Mais bon, je la mets là, on verra plus tard. Une pièce italienne qui est vraiment super, je trouve, qui célèbre Plotto et qui date de 2016.
Une autre pièce allemande de 2017. Avec un édifice, mais bon. Celle-ci, je la trouve un peu moins belle que les autres. Alors, une pièce qui date de 2019. Pièce allemande de 2019. Commémorant le Bundesrat. Une pièce magnifique, on dirait qu'elle est sortie d'un rouleau. Regardez ça, une pièce française. Dans une qualité, regardez. Elle est splendide, splendide pièce. Alors la pièce suivante. Une pièce italienne qui date de mémoire de 2006, je crois, qui célèbre les Jeux Olympiques d'hiver qui avaient lieu à Turin, en Italie. Une jolie pièce que j'ai aussi plusieurs fois, je crois. Pour finir, la dernière pièce qui est magnifique. Une pièce que j'ai trouvée le 22 ou le 23, je crois, une pièce allemande du programme Erasmus. Bien sûr, elle date de 2022, donc la pièce, vous le voyez, hein, est quasiment neuve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.